Et salut tout le monde, c'est Lestro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour parler de notre Warframe favorite infesté, Nidus, dont je vous avais déjà parlé à travers le guide. Il s'agit de la deuxième vidéo qui lui est consacrée, il y en aura une troisième qui arrivera la semaine prochaine. Et aujourd'hui nous allons voir un build traditionnel pour Nidus ainsi qu'un build linceul, donc un build Helmint, afin que vous puissiez choisir ce que vous préférez. Le troisième build sera pour la prochaine fois. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous n'êtes pas déjà abonné ou si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche, il y a entre une et deux vidéos par semaine. N'hésitez pas également, si vous voulez me suivre sur tous les réseaux sociaux, eh bien ils sont disponibles dans les commentaires. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Warframe, donc je suis pas mal actif sur Twitter et notamment Discord en ce moment pour vous transmettre toutes les informations. En parlant d'informations, au moment où sortira cette vidéo, normalement, on sera à la veille d'un live caritatif, donc qui se déroulera le 2 octobre à partir de 14h sur ma chaîne Twitch, et qui sera au profit d'une association pour la lutte contre le cancer, donc un live de 8h avec de très grosses récompenses à la clé, ainsi que des, une cagnotte hein, générale qui permettra de gagner ensuite des récompenses en dehors de celles que je proposerai moi. Et donc, n'hésitez pas à me suivre sur Discord et Twitter, c'est là que je donnerai les informations et notamment les plannings et les activités avec leurs invités. Autrement, vous pouvez rejoindre la Patreon Family. Si vous voulez toujours plus de contenu sur Warframe, des tutos, des actus, des vidéos exclusives, eh bien, c'est là-bas que ça se passe. Vous serez évidemment très bien reçus et vous êtes les bienvenus. Si on s'intéresse maintenant à Nidus, parce que c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Ce que tu dis n'a aucun sens. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour reproduire les couleurs de Nidus qui sont juste ici si vous voulez les mêmes couleurs que mon Nidus Prime. Donc comme je le disais aujourd'hui, deux builds, un build linceul et un build traditionnel. On va commencer évidemment par le build traditionnel qui sera, je pense, utilisé par à peu près tout le monde. Si vous voulez les détails des pouvoirs de Nidus, n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo guide qui lui est dédiée. Je vous la remets là-haut, normalement, si j'y pense. Elle y sera. Et vous pourrez, avoir le détail de ses pouvoirs. Au niveau build, là, on est classique. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout. C'est un build orienté mêlée. Parce que, voilà, vous pouvez aussi modifier pour l'orienter arme principale ou arme secondaire en modifiant vos arcanes et en remplaçant charge d'acier par pouvoir grandissant. Sinon, on va pouvoir utiliser tous les pouvoirs de Nidus. La colère aveugle combinée au courage passager et à l'intensité vont donner énormément de puissance à Nidus. On le voit, 211. Et heureusement, parce qu'elle sera amenuisée. Enfin, ça se dit, bref. Elle va être abaissée par la super étendue qui va leur faire perdre 60%. Ce qui fait que on se retrouve avec une virulence plutôt vénère en termes de regain d'énergie et en termes de distance, hein, on est à 33 mètres. Au niveau de la larve, on est sur du presque 9 secondes avec un rayon de 25 mètres, ce qui est plutôt énorme pour une attaque d'attraction comme celle-ci. Au niveau du lien parasitaire, on est sur du 73 secondes, on est pratiquement sur du 1 minute 30, avec une grosse portée sur allié et une portée non négligeable sur ennemi avec une redirection maximale de 90%, elle est capée, donc on est à fond. Et pour la voracité, on est sur une durée de presque 1 minute avec une très bonne régénération par seconde de presque 43 et un bon rayon. Donc on est en présence d'un build très versatile qui permettra de bénéficier des 4 pouvoirs de Nidus très facilement et efficacement. Au niveau des modes qu'on n'a pas vu, on aura flux que... Alors ici j'ai choisi flux pour pouvoir spammer plus facilement les pouvoirs. Vous pouvez évidemment remplacer par un adrénaline du chasseur ou par rage. Si vous voulez que les ennemis vous régénèrent votre énergie lorsqu'ils vous frappent. Ça fonctionne très bien. Sachant que c'est les dégâts sur la santé en énergie. Donc pensez bien que lorsque votre lien parasitaire est très puissant, vous allez gagner moins puisqu'il est redirigé. Donc vos dégâts sur la santé seront moindre, mais ça fonctionne quand même. Adaptation va être là également pour diminuer encore vos dégâts reçus, hein, puisque vous avez une bonne armure et une très grosse santé, donc vous allez avoir 90% de résistance à tous les dégâts qui vous sont infligés,
Qui dit grosse santé dit évidemment vitalité. On n'y échappe pas, 440%. Si jamais vous avez vitalité Umbra, intensité Umbra au niveau max, vous pouvez remplacer vitalité et intensité par la version Umbra. Et enfin, on va retrouver continuité pour la durée, que ce soit la durée de l'ulti, la durée du lien, et par contre, des fois, ça nous embête un peu la durée de la larve, parce que tant que vous n'avez pas tué tout le monde affecté par la larve, elle ne disparaît pas, donc des fois, c'est un peu embêtant. Et enfin, vous avez l'art de la ruse pour toujours plus de porter le pouvoir. Vous pouvez remplacer parce que vous voulez un bien chaussé accru si vous avez peur de trop tomber. Vous pouvez remplacer aussi par art de l'impuissance si vous voulez plus de puissance. Si jamais vous en avez marre que la larve n'explose pas et que vous estimez que certains modes ne sont pas utiles, notamment l'adaptation, tandis que vous ne subissez pas beaucoup de dégâts, vous pouvez remplacer par éclatement de larve qui fait éclater la larve et du coup bah, la force à disparaître, ce qui vous permet de la relancer. Et en plus, ça inflige des dégâts de poison, donc c'est un statut supplémentaire pour vos surcharges d'état et modes d'armes principales basées sur les statuts. Le deuxième, c'est sur Gloom. C'est l'ulti qu'on a remplacé sur Gloom. Alors, vous avez deux options. Là, c'est l'option, entre guillemets, simple d'utilisation. C'est l'ulti qui a été remplacé par Gloom. En revanche, vous pouvez remplacer lien parasitaire par Gloom, c'est-à-dire que vous bénéficiez toujours de votre ulti, et vous obtenez une régénération de vie qui est absolument abominable, tellement elle est indécente, et notamment en supprimant le lien parasitaire, vous maximisez l'adrénaline du chasseur parce que vous subirez plus de dégâts sur votre santé. Donc, à vous de faire la part des choses, vous pouvez très facilement échanger et ainsi voir ce qui vous convient le mieux. On est sur du pouvoir grandissant bien chaussé, évidemment, bien chaussé accru, indispensable. Là, je vous ai mis le normal juste pour que vous vous souveniez de quel mode il faut mettre. Donc, pouvoir grandissant pour 25% en plus. On n'a pas colère aveugle parce que sinon, le linceul coûte beaucoup trop cher. Déjà que là, il va coûter jusqu'à 10 d'énergie par ennemi, ce qui est beaucoup. C'est pour ça qu'on a flux et adrénaline du chasseur pour compenser. Allonge et influence de l'augure vont être là pour la portée de pouvoir. On ne peut pas se permettre de perdre de la puissance de pouvoir, donc on ne joue pas notre colère aveugle. Et en termes de puissance, on a intensité, secret de l'augure, courage passager pour une puissance maximale et un ralentissement de 74% sur le linceul. C'est beaucoup. Encore une fois, vous pouvez remplacer vos deux modes par les versions Umbra. Ici, c'est un build orienté classique avec le gardien pour plus d'armure et l'arcane énergétique. Si jamais vous avez assez de puissance, assez de portée, machin, vous pouvez remplacer par une fibre d'acier ou une fibre d'acier Umbra. Si jamais, la fibre d'Umbra, hein, vous mettez les trois, ce qui vous donne des stats encore meilleures en termes de... toutes vos stats vont se retrouver maximisées, notamment votre santé et votre armure. Si jamais vous échangez les deux modes, grossièrement, il n'y a pas de changement au niveau du build. Il n'y a pas de changement même du tout. Simplement, votre ulti durant moins longtemps que votre lien, vous aurez plus souvent à recaster le sort. Mais ça vous permettra de subir plus de dégâts et ainsi de maximiser l'adrénaline du chasseur pour maintenir vos sorts à l'infini. Vous pouvez évidemment utiliser Virulence, qui vous régénérera moins qu'avec le premier sort, mais qui vous redonnera quand même 10 d'énergie par coup, ce qui est beaucoup s'ils sont pris dans une larve, etc. etc. Surtout que vous n'avez même pas besoin de caster larve, parce qu'ils ont tendance à être bien grappés à la frontière de votre linceul. N'hésitez pas à aller voir les ennemis en frontière de linceul, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, mais ils vous tirent quand même dessus. Et si vous ne tirent pas dessus, et bien votre adrénaline chasseur ne sert à rien, vous allez consommer votre énergie beaucoup trop vite. Et donc vous allez finir par mourir de décès. Voilà en tout cas pour ce que je pouvais vous dire sur ces deux builds de Nidus. J'espère que ça vous a plu, je sais que vous me les aviez demandé. Donc n'hésitez pas à les reproduire, à les comprendre, à les améliorer, à me faire part de vos suggestions et de vos modifications dans les commentaires. Il y aura une troisième vidéo sur Nidus avec une synergie cette fois-ci. On a fait le guide, là on a fait les builds, on fera la synergie la prochaine fois. Et en attendant de vous retrouver pour le live caritatif ou pour un autre live si vous regardez cette vidéo à un autre moment, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !